Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau Grocery Haul. Donc c'est un nouveau haul de mes courses pour la semaine. Donc nous sommes dimanche aujourd'hui, alors voici ce que nous avons acheté. Donc j'ai repris des pics et crocs de la marque Kiri, voilà, ça c'est pour moi ou pour ma petite. J'ai pris ensuite donc des girasoli fromage italien, je le dis avec l'accent, c'est génial. Ensuite, donc, j'ai pris de la marque Casino, de la pâte brisée et de la pâte feuilletée. Pour ma petite, comme d'habitude, donc, j'ai pris des galettes de riz. Là, ce sont donc des galettes de riz complètes. Et là, ce sont des galettes de riz au quinoa, avec quinoa. Ensuite, pour moi, je me suis repris un sèche-cheveux Babyliss. Voilà, il était en promo à 19 euros. Je l'ai pris parce que le mien, il a rendu l'âme. Ensuite, j'ai pris du canard confit. Du blé dilé pour ma petite pour son petit déjeuner, du riz basmati, ici de la marque Xtra, de la lessive avec de l'adoucissant, c'était en promo. Ensuite j'ai pris de la salade verte, en épices j'ai pris des fines herbes, ensuite des mini babybel pour ma petite. J'ai pris du citron pour faire de la citronnade ou de la vinaigrette, ça c'est du concombre pour faire une salade, voilà. Ensuite, des tranches de cheddar pour burger, du beurre président. Ici, donc, j'ai pris de la tomate séchée, de la marque Casino saucisse aux lentilles, de la marque Casino des raviolis au fromage. Ensuite, j'ai pris donc des cornichons, c'est la marque, c'est le premier prix, la marque tous les jours. Ensuite, j'ai pris du cœur d'artichaut pour faire de la salade, des champignons de Paris, j'en ai pris plusieurs boîtes. Ensuite, j'ai pris du thon, du thon naturel, au naturel de la marque Casino, des haricots verts, donc j'en ai pris deux boîtes. Ensuite, au niveau viande, donc j'ai pris, c'est de la souris d'agneau. Ensuite, j'ai pris des cuisses de poulet juste en dessous, enfin des cuisses de poulet fumées, des cuisses de poulet normales, ça c'est des côtes de chine de porc. Ici, c'est du cerf. Là, ce sont des tranches d'épaule d'agneau, voilà. Ensuite, de l'alcool, hein. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, donc de la DSP. Ensuite, j'ai pris du Frontera, c'est du vin de l'Afrique du Sud, j'ai pris du rosé et derrière, il y a du blanc, du jacquard, donc ici, hop, c'est du champagne, du coca, derrière, il y a du jus, voilà. Alors ici, j'ai pris du café expresso, alors j'achète plus du tout ce de Nespresso qui coûte une blinde. Je prends cela et ça fait 2 ans que j'utilise ça et ma machine, elle tient le coup et ça fait du très bon café, donc voilà. Du papier toilette, toujours pour ma petite, de la compote, alors de la marque Pompote, de la marque Charles et Alice et de la marque Andros, voilà. Ensuite, j'ai repris des petits filous pour elle et pour nous, j'ai pris donc des câlins aux fruits, voilà. J'ai repris donc du produit pour le lave-vaisselle, de l'essuie-tout, derrière nous avons des lingettes, ensuite j'ai pris quoi? J'ai pris des gants pour le nettoyage, des sacs pour la poubelle et des éponges, voilà. Ensuite, j'ai pris du nettoyant pour le sol de la marque Casino, des briques de jus pour le petit déjeuner, toujours de premier prix. Pour moi, franchement, je ne vois pas trop la différence dans ces gammes-là où il n'y a pas forcément de pulpe à l'intérieur ou quoi que ce soit, donc je prends toujours les premiers prix. Ensuite, de la marque Active, c'est pareil, c'est un premier prix du nettoyant pour les vitres, surtout que c'est fabriqué au même endroit, donc il n'y a pas de grande différence. Du 100% pur jus pamplemousse pour mon mari au petit déjeuner, quand il a le temps de boire son jus. Des saucisses de cocktail pour l'apéro. Ensuite, des olives dénoyautées, soit on le cuisine, soit c'est pour l'apéro, voilà, du liquide vaisselle. Ensuite, j'ai pris du sirop, donc j'ai pris sirop pêche et sirop grenadine. Et voilà, donc je crois que j'ai fait le tour. Donc j'espère que ce grocery haul vous aura plu. Ça reste vraiment des courses basiques, mais j'avais envie de le partager avec vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Ciao !